Bonjour et bienvenue sur glitchshop.com, je suis Arnaud, conseiller snowboard. Cette vidéo est la suite de la vidéo qui parle de comment régler sa fixation avec sa boot. Là, on va parler de comment monter la fixation sur la planche. Pour cette étape, vous avez besoin d'un petit peu de matériel. Un tournevis cruciforme, c'est un Phillips 3. Pour avoir la bonne tête, pour pas abîmer vos têtes de vis, c'est important d'avoir la bonne tête parce que des cruciformes un peu petits, vous risquez de pas avoir une bonne prise et d'abîmer la tête des vis, ce qui est toujours embêtant. Un mètre, ça sera pour régler votre stance. Le stance, c'est l'écartement entre les jambes. Les petites vis qui sont livrées avec les fixations, avec les rondelles. Et les disques, il y en a normalement une paire pour pouvoir ajuster la fixe sur la planche. Donc normalement, arrivé à cette étape, votre fixation est réglée et prête pour accueillir votre boot. Tous les réglages sont faits, on n'aura plus qu'à la placer sur la planche. Première étape avant de commencer à s'occuper de la fixation, c'est trouver son stance, donc l'écartement qui va correspondre à votre taille ou à votre pratique. Pour ça, vous prenez votre mètre, il y a donc plusieurs lignes d'insert, on va pouvoir regarder combien de centimètres vous offre la planche. En général, il y a des inserts de référence qui sont notés, qui sont, si vous avez bien choisi la taille de la planche, logiquement, à 90% de chance, la taille de stance qu'il vous faudra. Sinon, vous pouvez toujours... Alors, il y a plusieurs techniques. Hein, il n'y a pas une science exacte, il y aura même pas... Même la référence n'est pas forcément une valeur sûre. Moi, en général, j'invite à multiplier sa taille par 0,32 pour les personnes qui vont plutôt faire du freeride ou de la piste, et 0,33 pour les freestylers qui veulent un peu plus d'écartement. Ça va vous donner normalement le stance à peu près de référence. Donc quelqu'un qui fait entre 1m75 et 1m80, son stance il va naviguer entre 56 et 60 cm en gros. Donc vous prenez votre mètre, vous regardez cet écartement là et ça va vous donner la bonne référence. Petit point de détail à noter, vous allez pouvoir rencontrer deux types d'inserts de fixation. Quand je dis type, c'est pas vraiment un type, c'est plutôt la disposition des inserts sur la planche. 90% des planches actuelles vont avoir des inserts en 10 4x2, c'est-à-dire que les inserts sont disposés tous les 2 cm. Et d'autres planches, ça va être plus rare maintenant, soit sur des entrées de gamme ou des planches du coup un peu plus anciennes, c'est 4x4, donc c'est tous les 4 cm. Ces différents types d'inserts n'ont pas d'incidence sur le montage ou sur le ressenti direct. Par contre, on va retrouver donc différents disques. Il y a des disques un peu plus gros, des mini-disques. Maintenant, le marché veut qu'on essaye de brider au minimum le flex de la planche, d'avoir un meilleur feeling. Donc il y a pas mal de marques qui commencent à travailler des plus petits disques. Ça, vous allez être obligé de les monter sur des 4x2, puisqu'on a vraiment un insert à la suite de l'autre sur le montage. Tandis que là, c'est un insert sur deux en 4x4. Donc c'est vraiment le petit point de détail à faire attention. Si vous achetez une fixe qui est en 4x2, ben, il faudra vraiment une planche comme celle-ci. Et si vous avez une planche un peu ancienne ou une entrée de gamme en 4x4, il faudra des plus gros disques. Donc ensuite, vous prenez votre fixe en main. Soit vous allez avoir directement accès à l'embase, c'est-à-dire que vous allez directement voir le trou pour le disque. Soit vous avez donc une gaz pédale qui obstrue le trou, qui est une pédale d'amorti qui relève un petit peu pour du confort et pour avoir une meilleure sensation sur la planche, pouvoir aussi prendre plus d'angle. J'ai pris volontairement deux types de gaz pédales différentes. Donc chez Burton, elle est crantée, c'est-à-dire qu'il y a deux petits ergots qui rentrent dans l'embase. Donc il ne faut pas hésiter à tirer dessus. On entend un petit crack, on prend, on soulève, vous avez accès à votre disque. Sur la Union, comme sur beaucoup d'autres marques, vous allez trouver une petite vis. Il suffit de la dévisser et de faire coulisser complètement la gaz pédale vers l'avant. Donc une fois qu'on l'a démontée, elle sera une pièce à part de la fixation. Juste faire attention à ne pas perdre la vis, mais vous pouvez l'enlever complètement. Et là, pareil, vous aurez accès à votre trou pour le disque. Donc là, sur la fixation où on a un arceau alu qui est réglable, on va prendre son disque et normalement, votre boot s'est déjà centré sur votre fixation. Donc on n'a plus à se poser la question du centrage puisque le but dernier de ce montage est que votre boot dépasse exactement de manière équivalente devant au niveau des pointes de pied que derrière. Donc si vous avez déjà centré votre boot sur votre fixe, vous n'aurez plus à vous occuper de cette étape-là. Donc vous avez juste à prendre votre disque. Dans ce sens-là, vous avez des petits repères pour les angles. Vous avez aussi une graduation d'angle qui est notée dans la fixation.
Vous placez le disque dedans, vous choisissez l'angle et vous pourrez placer après la fixation sur la planche et éventuellement jouer un petit peu en latéral pour pouvoir gagner quelques centimètres sur l'écartement de vos jambes, donc sur le stance. Pour les Burton, c'est différent. J'ai fait exprès de prendre ce modèle-là. Votre disque, il va plutôt jouer sur l'avancée ou le reculer de la fixation pour bien centrer votre fixation sur la planche, puisqu'on ne peut pas régler l'arceau. Donc, vous êtes obligé de prendre votre référence d'angle avec les trous dans ce sens-là pour pouvoir soit avancer, soit reculer votre fixation pour, au final, avoir la fixation la mieux centrée sur la planche en fonction de votre boot. Donc, on passe à la partie réglage des angles, position des pieds, qui va dépendre de votre niveau, de vos habitudes, de votre programme aussi, si on fait plutôt du freeride, plutôt du freestyle. Encore une fois, il n'y a pas de science exacte, pas de valeur sûre. Donc après, il faut aussi faire un petit peu en fonction de son ressenti, du feeling personnel. Juste une petite précision avant de placer les fixations. Il y a un pied droit, un pied gauche. Souvent, ça se voit par la forme de la gaz pédale qui a une forme un petit peu de pied. Hein. Elle n'est pas totalement symétrique. Et les boucleries sont toujours vers l'extérieur de la planche. Donc si on place les fixations correctement, vos boucleries sont vers le nose et vers le tail, vers l'avant, vers l'arrière. Pour la position des pieds, en général, les freeriders, ils vont mettre un petit peu plus d'angle, ils vont chercher un peu plus d'attaque. Le but étant toujours en snow quand même de pouvoir mettre ses épaules dans le sens de la pente. Donc on va toujours avoir de l'angle sur le pied avant, plus ou moins en fonction après voilà, du programme, du niveau. En général donc, en freeride, on va mettre plutôt les pieds minimum à 15 degrés sur l'avant, voire plus si on veut avoir plus d'attaque ou vraiment, comme je vous dis, une fois une question de ressenti. Et le pied arrière, soit à zéro, soit vraiment aussi sur l'avant avec un plus ou moins d'angle pour carver notamment ceux qui aiment prendre de l'angle, ceux qui aiment vraiment attaquer. Pour vraiment pouvoir rentrer sur l'avant de sa planche, on va avoir les deux pieds plutôt vers l'avant. Pour les riders plus polyvalents ou plutôt débutants, en général, la norme restera 15 degrés sur le pied avant et on va être entre 0 et un petit peu de négatif sur l'arrière. Ça, c'est bon pour les genoux, ça va donner un petit peu d'assise, ça va donner un petit peu de confort pour bien écraser son camp, bien contrôler sa planche et pouvoir aller un petit peu dans les deux sens. Et les freestylers, en général, ils vont utiliser plutôt un angle qui est équivalent devant et derrière en canard, c'est-à-dire plus ou moins plus 15 devant, plus ou moins plus 15 derrière, pour vraiment être centré sur sa planche, pouvoir aller dans les deux sens pareil, avoir le même contrôle, surtout si les planches sont twins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le nose et le tail, on la coupe en deux, elle est vraiment symétrique des deux côtés, on a vraiment le même ressenti, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est déjà à ajuster avec votre programme. Sur le programme freestyle ou polyvalent, je vous déconseillerais d'avoir un écartement, donc un stance trop réduit. Vous aurez vraiment du mal à bien contrôler votre planche. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre une référence, un stance un petit peu écarté pour pouvoir bien contrôler votre planche. Après, en freeride ou quand on a les deux pieds sur l'avant, c'est un peu différent. On aime rentrer un peu le genou. Donc, on va peut-être des fois resserrer un tout petit peu plus. Encore une fois, ça sera à votre feeling personnel une fois que vous aurez fait quelques tests ou vous aurez testé les quelques réglages en fonction du calcul que je vous ai donné avant. Donc une fois toutes ces étapes et tous ces choix de positionnement, d'écartement sont faits, vous n'avez plus qu'à monter votre fixation sur la planche. Donc il vous faut le disque, il vous faut 4 vis, ça c'est la norme à part quelques planches comme on pourra le voir, des planches Burton où il y a des rails, où il y aura seulement deux vis. Mais normalement, la norme, c'est 4 vis, 4 rondelles, donc 2 par rail sur le disque. On choisit donc son angle. Là, je vais prendre moins 15, ça c'est l'arrière de la planche. Je vais prendre moins 15 sur le disque. Choisir les références au niveau des trous. Prendre mon tournevis cruciforme et commencer à les visser. Le but, c'est d'essayer de pas trop tout serrer d'un coup parce qu'il faut bien viser les quatre inserts et si vous partez un petit peu de travers, ça risque de forcer, d'abîmer les vis ou d'abîmer les inserts. Donc l'idéal, c'est de commencer à les serrer un peu en croix sans tout serrer à fond. Certaines fois, vous trouverez que sous la fixation, il y a un petit pad d'amorti qui est un pad un petit peu en mousse ou quoi. Ça peut surélever un tout petit peu la fixation et rendre la première accroche, la première vis un tout petit peu difficile. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à écraser un petit peu votre fixation. Et dès que vous en aurez pris une, normalement, les autres vont suivre. Là, j'ai fait prendre mes 4 vis. J'ai juste à serrer à
par bloc les 4. Faut pas hésiter à en rajouter un petit peu. Dès que vous aurez bien serré ces 4 vis là, vous remettez votre gaz pédale comme elle était prévue pour que votre boot soit bien centré sur la planche. Vous la serrez aussi. Celle-ci n'a pas besoin de serrer autant, c'est-à-dire que le petit demi-tour que vous allez mettre sur la fixe en plus pour avoir vraiment un serrage sécurisant et bien verrouiller votre fixation, il n'est pas obligatoire sur ça. C'est souvent sur des petites parties en plastique, donc vous allez bien au bout de la vis, mais il n'y a pas besoin de serrer trop fort, vous risquez d'abîmer un peu le matériel. Normalement, une fois que cette étape-là est finie, vous faites un petit check, vous remettez votre boot dans votre fixation. Logiquement, tout est bien réglé, les straps n'ont pas bougé, ils sont bien centrés. On regarde sur le côté, on a le même dépassement au niveau de la pointe qu'au niveau du talon. Il n'y a plus qu'à chausser et à partir rider. Voilà pour le réglage et le montage des fixations. C'est une étape assez importante, donc il faut prendre un petit peu le temps de le faire. C'est ce qui vous permettra d'exploiter au maximum les caractéristiques de votre matériel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par mail. À bientôt !